Kiki, bonjour, c'est encore moi. La gueule du goût de ça, toujours dans le goût de ça, toujours dans le bonheur et la bonne humeur. Vous voyez un peu le temps. Nous sommes toujours à Brest. Là, c'est la guerre de Brest. Il pleut. Ah oui, c'est la Bretagne. Il pleut. Mais voilà, ciao. On n'est pas là pour parler de la pluie. En fait, j'étais à l'église ce matin. Ça m'a donné envie de vous faire un petit bain. Il s'agit de quoi? Des serpents à deux têtes. Pourquoi je dis serpent à deux têtes, autrement appelé des hypocrites en fait, des hypocrites qui ne savent pas dire la vérité, qui sont avec nous, et en réalité, ils ne nous aiment pas en fait. Qu'est-ce qui m'a perdu en fait? C'est par exemple lorsqu'une personne est dans le malheur, la faiblesse, traverse un peu les moments difficiles. Tu te dis, tiens, ça c'est mon amour de ça. Il ou elle avec moi, il compatit ou elle compatit. Mais non, par exemple, en m'embrassant comme ça. Elle s'est dit, bien fait pour ta gueule, pour ce qui t'arrive. Au lieu d'être sincère, au lieu de compatir à la douleur, à la faiblesse, au malheur qui m'arrive, mais non. Et la personne se dit, bien fait pour ce qui t'arrive. En fait, elle est contente en fait. Et moi, je me dis, j'ai ma sœur, j'ai ma copine, j'ai mon ami, j'ai mon collègue qui compatit avec moi, qui est avec moi, qui me soutient. Mais non, mes amis, c'est est-ce qu'ils sont sensibles de ça? Je vais prendre un peu l'exemple sur moi. Là, je suis là, habillée. Moi, je peux me dire, ou je me dis, je suis bien habillée. Non, je vais rencontrer une personne, une des miens, ou un des miens. L'autre me dit que non, la gueule du goût de ça, là où tu es là, non, te rendu, je n'aime pas, ou c'est pas bien, ou tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Il va seulement me dire, ou elle va seulement me dire, mais tiens, tu es bien habillée. Alors qu'en fait, je ne suis pas bien habillée. Non, mais ça ne veut pas dire que là, en ce moment, je ne suis pas bien habillée. C'est pas ce que j'ai dit. Mais non, elle ne me dit pas la vérité. Il y a tellement de serpents à deux têtes. On voit, mais ça existe partout et c'est le quotidien en fait. Le pire encore, je vous dis, c'est sur les réseaux sociaux. Tu mets une photo où tu es comme on dirait, je ne sais pas trop quoi. On met le petit pouce. Tiens, on va liker. Mais tu vas liker quoi? Mais écris la personne en inbox, dis-lui, mais non, mais t'es pas bien habillé ou bien cette photo là n'est pas censée être voilà vu publiquement, il faut l'enlever. Tu vas juste liker. Oh ma chérie, tu es jolie, hein? je suis jolie, c'est vrai ça, alors que la personne ne le pense même pas. Les amours du goût de ça, ça c'est pas le goût de ça. Apprenez quand même, si vous dites que vous êtes avec une personne que vous l'aimez, apprenez quand même à lui dire la vérité. Quand bien même on dit, ce n'est pas toute vérité qu'on a dit, mais moi personnellement, je préfère qu'on me dise, ça ce n'est pas bien. Pour que je puisse me corriger, pour que je puisse m'améliorer, même dans la façon de m'habiller. Mais pourquoi vous vous réjouissez toujours du malheur des autres? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes des serpents à deux têtes. À deux têtes, tu montres une face, tiens, je suis avec toi, je t'aime et tout ça là. Mais derrière, tu écartes bien les yeux comme ça, tu te dis, bien fait pour ta gueule. Ça, ce n'est pas le goût de ça. Soit vous êtes avec une personne, vous compatissez, vous êtes là dans des bons et des mauvais moments. Quand c'est des mauvais moments, vous êtes réellement avec elle. Vous compatissez à sa douleur. Je vous assure, mes amis, du goût de ça.
vous avez de la valeur. Même si aujourd'hui vous traversez, vous passez des moments difficiles, mais vous avez de la valeur. Ce n'est qu'un état. Ne donnez pas le corps à la faiblesse, parce que celle ou celui qui est à côté de vous là, vous vous dites que il compatit, il aussi, il partage cette douleur avec vous, mais non, la personne ne partage pas la douleur avec vous. Voilà, ce n'est pas le goût de ça. Apprenez à dire la vérité, apprenez à compatir, apprenons, parce que je ne veux pas m'exclure, parce que je suis aussi être humain, je ne veux pas m'exclure. Apprenons à dire la vérité, et ça, c'est le goût de ça, et nous restons toujours dans la bonne humeur. Mes amours du goût de ça, j'ai préféré continuer la vidéo un peu à la maison, puisque dehors, il pleuvait abondamment. Enfin, il pleuvait, ouais. Les serpents, quand je parle de serpents à deux têtes, les serpents à deux têtes, c'est quoi? Les serpents à deux têtes, ce sont des personnes, lorsqu'elles sont face à une personne, lui montrent qu'elle aime. Mais parce que lorsque cette dernière a le dos tourné, elle poignarde, elle montre la haine, la colère, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est de négatif. C'est ça les serpents à deux têtes. Non pas une face, mais deux. Tu n'aimes pas une personne. Ma chérie, mon chéri, si tu m'aimes pas là, si tu n'aimes pas cette dernière ou ce dernier là, montre-lui, dis-lui, éloigne-toi d'elle. Ne fais pas semblant en fait. Tu fais semblant. Tu es face à moi, tu montres, hein, tu es les dents, je t'aime, je suis avec toi, je compatis de ce qui t'arrive et tout. Mais lorsque la personne a le dos tourné, tu te retrouves chez une autre. Ah, tu as vu? La voix du goût de ça. Son goût de ça, là, c'est quoi? Là, c'est même pas le goût de ça. Et tu prends le couteau, derrière le dos de la personne. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Est-ce que c'est ça le goût de ça? Non. Non, non, non. Même si tu es avec la personne, ça ne va plus. Coupe. Tout simplement, coupe les ponts, coupe, bloque de partout, bloque sur Facebook, bloque sur Instagram, bloque sur WhatsApp. Éloigne-toi même de la vie de la personne. Ne montre pas que j'aime devant la personne et derrière tu montres que tu as vu ce que la goutte de goutte de ça a fait. Non, ça c'est ça les serpents, deux têtes, deux faces. C'est pas bien du tout. Ça, c'est pas la bonne humeur. Ça, c'est pas l'enjoy. Ça, c'est pas la joie. Et ça, c'est pas le goût de ça. Dites la vérité. T'aimes pas, montre que t'aimes. Tu n'aimes pas. L'hypocrisie, ça tue. L'hypocrisie, c'est pas bien. Bête-là. Montre que non. Si c'est rouge, c'est rouge. Tu dis que c'est rouge, j'ai plus concours. Si c'est noir, c'est noir. Montre que c'est noir. Qui va t'avaler? C'est forcé? Non, c'est pas forcé. Personne ne va te forcer. Donc, faut pas montrer aujourd'hui, j'aime. Demain, je n'aime pas. Non, pas demain. Derrière, même le même jour. Derrière la personne. Qui? Elle pense que. Il pense que. Pardon. Nous gâtons tellement le monde. Nous gâtons. C'est pas bon. Pas ce que Dieu nous recommande de faire. C'est vrai. Nul n'est parfait. Mais vaut mieux être qu'on sache que tu es comme ci, tu es comme ça. Au lieu de montrer que je suis gentil, je suis dans le goût de ça, mais qu'en fait, je ne suis pas dans le goût de ça. C'est pas un deux têtes. Arrêtons. Arrêtez. C'est pas bon. C'est pas le goût de ça. Et puis c'est tout.